Yes. Comment vous-même vous voyez ça dans le monde? Je dis à commerce Saint-Domingue avec Haïti, son commerce qui n'a pas seul sens. Moi-même, je dis ça. Ils vendent nous toutes bagailles, nous ne vendons pas rien. Chiffio 2022, ils vendent Haïti pour 1 milliard de dollars. Haïti vend pour 12 millions de dollars. Donc là, on fait comparaison. 1 milliard avec 12, ouais, c'est l'Orient et l'Occident. Donc, l'important pour que ça passe là, fait que nous réalisons que Haïti a une capacité pour qu'on parle pour le produit. Et il faut que nous contraignions ce domaine pour l'accepter production Haïti. Jean que pas jamais vous l'accepter dans le temps. Donc, moi pense que ça crivé là, fait un peu de monde prendre conscience, fait un peu de monde réaliser la valeur que nous gagnons. Et en général, c'est un moment difficile pour vraiment faire effort pour développer la capacité. Et c'est même gens tout le monde, par exemple, on dit qu'on travaille. Si on révoque, on va chercher toute formule pour vivre. C'est la même chose. Donc, frontière avec canal là, c'est l'élément prise de conscience pour Haïti qui a fait relation avec ce domaine en l'autre gens. Vous pensez notamment si vous cherchez l'autre partenaire pour nous faire commerce? Ça, c'est un discours que m'a posé depuis quelques temps. L'important, c'est parce que ce domaine qui existait. Je dis à ce domaine avec les États-Unis représenter 2/3 du commerce Haïti. Chaque bon tiers. Ce domaine bon tiers, États-Unis bon tiers. Ça veut dire qui ça? Deux mondes, c'est eux tout à fait dépend de eux. Sous côté avec eux, pas manger. C'est ça que je voulais dire, en tête pâle. Cependant, vous avez une obligation pour développer un rapport avec l'autre pays. Il y a le Mexique, là, le Colombie, qui là, le Brésil, comme de grands producteurs dans la zone, là, la Chine, l'Inde, bon, ben l'autre pays. C'est important pour que ça passe là, fait que nous redéfinissons les relations, chercher l'autre partenaire pour que nous ne soyons pas aussi dépendants. Il fait mal de rencontrer les gens qui produisent, qui produisent poulet de chair. Je dis, tout manger pour eux, c'est le même qu'on achète. Frontière fermée, ils n'ont pas qu'à acheter encore. C'est parce que son seul partenaire là qu'on gagne, il pas bon, ou pas capable de vivre aussi dépendant d'un partenaire commercial. Donc c'est le moment plus que jamais pour Haïti non seulement produire, mais aussi chercher l'autre partenaire pour capable acheter dans main. Parce que soit pas acheter dans main au monde ou gagne l'argent, il va te déranger pour ça. Je dis à la ou dit Pérou, on va acheter dans mon pito. Là bien content. Ou dit Mexique ça, ou dit Colombie ça, ou dit Brésil ça. Il y a bien content. Argentine sont gros producteurs de viande. Donc c'est important pour que nous cherchions mon ça. C'est non seulement secteur privé, mais aussi gouvernement, pour que nous arrivions à diversifier partenaires, pour que ce domaine pas penser que nous avons grand goût encore, les fermes frontières. Jean-Claude Abinader, tu penses là, dans le jour qui passé. Avant même, nous avons resté ouvert frontières encore, nous avons supposé Chita, ou nous dit mais sous qui se base. Nous absolument, ouvert? Absolument. Je me dis pour ce domaine à Haïti, ennemi. C'est sous même territoire nous. Cependant, j'ai une relation qui n'a pas seul sens là, il y a 20 pas 20 ans, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Donc, moi, pour des relations avec ce domaine, mais pour de meilleures relations équilibrées. Parce que nous n'avons pas qu'à prôner, pour nous faire compte, pour nous faire ennemi, parce que nous là, nous avons acheté, nous avons vendre. La question c'est qui qualité relation pour nous définir avec eux, et c'est wall par nous pour que les gens qui viennent après eux pas hériter de ça que nous avons vu aujourd'hui. Ok, comment vous comprenez ça? Nous avons 2 mois de travail à la France à continuer le canal là. Par exemple, il y a une autorité qui sortit dans l'état central là qui présente le canal là. Comment vous comprenez ça? Je vais saisir pour ça. Et je vais dire dans une émission, le canal là arrivé loin comme ça, c'est parce que ce n'est pas le gouvernement qui a fait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va attendre que l'État va l'accompagner. Nous, parce que l'État, ici, depuis presque 15 ans, c'est tout le monde, c'est le domaine que lié. C'est eux qui financent l'élection. Ils financent l'élection sous Matéli, ils financent sous Jovenel, ils toujours financent l'élection. C'est eux qui ont un contrat pour faire route. C'est eux même qui ont un bon de bagages. C'est-à-dire que les dirigeants, ici, ils viennent très dépendre de ce domaine, je dis. Et ce n'est pas une surprise qu'ils ne viennent pas là. Maintenant, la question, c'est qui gens pour gagner l'autre qualité de dirigeant. Qui a gagné autonomie, qui a gardé ce domaine dans G, encore une fois, pas pour faire compte, pas pour faire confrontation, mais pour que nous chita 4 sous table pour nous définir l'autre relation. Voilà. Ok, vous avez un bon message pour regarder mon capteur de 4 dollars à travers les sociaux. Bon, je dis que vous êtes solidaire avec tout le monde qui travaille dans le canal là. Ça, vous avez supporté,
Et il y a des gens qui supportent discrètement. Par exemple, moi-même, je ne dis pas quoi que ce soit, mais je suis en contact avec le comité. Nous faisons ça, nous sommes capables. Donc, continuez à supporter, continuez à aider, continuez à faire promotion de la production nationale. Et les médias, nous-mêmes, continuons à faire travail. Nous apprécions ça en pile. Je n'ai pas besoin de faire personnalité, mais en pile, nous continuons sur Facebook. Et nous vraiment apprécions le travail qu'il a fait. Pays à dire merci. Alors, vous parlez de support quand même, pour que les gens aient besoin de critiques, de support et à la communauté ou bien canal là. Je n'ai pas besoin de faire publicité pour ça. Si nous connaissons, je n'aime pas parler de support que je baille, mais moi-même, je suis toujours là et je ne vais pas dire ça à la communauté à connaître et ce n'est pas nécessaire pour que je parle de ça en détail. Voilà. Là, économie 7000, quand Pierre Capica. Capica. C'est dommage, je ne vais pas dire que je vais mettre la tête maintenant. Si vous venez là, vous avez bien. Vous avez bien. C'est ça. Merci. Tout à fait. Bon, écoute, Canal là, je vous dis à son espace qui l'Assemblée haïtienne, son espace qui mettait nous ensemble, nous d'accord ensemble, son bagage clair, à savoir, il faut que nous redéfinions la façon que nous avons échangé avec ce domaine. Nous faisons plusieurs émissions sur ça, nous faisons intervention sur ça dans les médias, mais je pense que c'est important pour nous venir. Nous venons dans l'ordre souvent. Même pas pour jamais une chance de venir depuis le canal là de commencer à construire. Depuis hier, moi dans le département, je suis venu avec deux objectifs. Pour visiter le canal là, parce que je m'ai parlé de lui, mais il faut que je me voie la yeux. Mais deuxièmement, pour me rencontrer une dizaine d'entreprises qui produisent, qui transforment les produits, pour me capable d'encourager, faire promotion pour eux, parce que les frontières fermées, il faut que les gens dans le pays soient capables de répondre à besoin. Et c'est pour ça que je rencontre les gens qui font eux. Je rencontre des gens qui font du riz, je rencontre des gens qui font de l'eau, je rencontre des gens qui font des sauces piquantes. Donc, quelque part, je pense que le canal là, c'est un bagaille, mais mettre des projecteurs sur entreprises qui ont un département qui produit et qui ont des défis qui ont fait face, sont l'autre bagaille. Et c'est pour ça que je suis là. Et même penser qu'il est important pour moi d'assumer ce qu'il a fait là. Parce qu'encore une fois, le canal là, c'est un gros bagaille historique qui quand même prouvé que Haïti a décidé. Puis on redéfinit les gens qui ont rapport avec ce domaine, mais nous pas qu'à camper là. Parce que moi, je dis dans l'émission, un canal a pour accès à de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau seulement besoin pour faire manger. On a besoin de crédit, on a besoin d'équipement agricole, on a besoin de route agricole, on a besoin de sécurité, on a besoin que le port soit capable de travailler, on a besoin que l'État soit capable de faciliter. Donc c'est pour ça que moi-même, comme économiste, qui a fait promotion de la position nationale, c'était important pour que moi, je vienne là, moi, je résume. Je rencontre les gens qui travaillent et pour m'encourager en même temps tout, pour être capable de projeter une meilleure image à travers les médias. Peut-être, voilà. Ou soit qu'on a dit dans l'émission, ou soit qu'on a gardé sur les jours avec ça aujourd'hui, quelle différence est-ce qu'on a fait? Bon, je pense que nous-mêmes, nous faisons un gros travail. Je salue tous les médias qui sont là, et qui presque là 24 sur 24, si ce n'est pas nous-mêmes, ni les gens qui habitent dans l'autre département, ni les diaspora, pas pour courant de ce qui a passé. C'est parce que nous là. Je salue nous et travail nous fait que nous avons une très bonne idée de canal. Donc même les potes qui viennent, c'est comme si nous étions déjà là. Par rapport avec la quantité de live que nous faisons chaque jour, la quantité de photos et vidéos que nous transmettons sur Facebook, particulièrement avec TikTok, tout le reste des médias sociaux. Donc je pense que par un gros choc que je prends, pratiquement même ça me comprend. Mais surtout, il était important pour moi-même personnellement en tant que haïtien, en tant que monde qui connaît un pays, qui connaît la position nationale, pour me là en personne, venir garder et rencontrer nous pour le travail que nous avons fait. Encore une fois, merci à tout le monde en Haïti qui habite dans l'autre département et qui nous permettent de vivre ce qu'on a fait ici, dans Wanamet, dans Ferrier.